Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ouverture d'un abus XP2. Donc abus XP2, 12 goupilles, 5 passives et une goupille placée par le mobile de la clé. Donc comme pour le cas du bricard du XP, utilisation d'un entraîneur spécial qui me permet de bypasser la goupille du mobile. Donc là je la mets en place, voilà, on a un petit clic, donc comme ça je suis sûr que mon entraîneur appuie bien dessus. Et on commence à tâter pour trouver la goupille qui va nous donner un décalage. Donc en général, j'ai remarqué que souvent c'était la sixième, là effectivement c'est la sixième. Bon c'est pas toujours le cas, hein, mais voilà, et après mise en place des suivantes qui se comportent comme des bobines pour la plupart. Un bon décalage. Donc je reviens vers l'entrée. Troisième, deuxième, première. Petite remontée, je retouche un peu. Alors, il y a des goupilles qui sont très basses. Hein. Donc, pour aller les chercher, j'utilise un pic avec un drapeau un peu plus long qui me permet de descendre plus bas. Voilà, j'ai mis un bon décalage. Quatrième, cinquième, sixième. Donc il est peut-être crocheté, mais comme il faut relâcher la tension sur la goupille du mobile, change d'entraîneur. Bon, ça s'ouvre pas. Donc j'ai trouvé que en remplaçant l'entraîneur sur la fin de crochetage par l'entraîneur classique, là c'est mon entraîneur spécial bricard, j'avais plus de place hein, pour aller chercher la sixième, notamment pour travailler sur la sixième. Je pense qu'il est un peu mal foutu mon entraîneur et il me gêne un peu en fin de crochetage. Donc là je poursuis le tâtage hein, parce que les goupilles, certaines goupilles ne se placent pas tout à fait. La première fois, voilà, l'ouverture.